Quatrième équipe qualifiée, la formation représentant la Ligue PACA de Denis Campos. Case 14, pas d'adversaire pour l'instant en huitième de finale. La cinquième équipe qualifiée, c'est la formation de la Creuse de Jean-Pierre Giraud. Case numéro 8, pas couvert pour l'instant en huitième de finale. Sixième équipe qualifiée, l'équipe du Vaucluse de Jérôme Clos. Case numéro 9, voici le premier huitième de finale couvert. 9 contre 20, donc de Jérôme Clos, le Vaucluse, qui jouera face à la Drôme de Gilbert Catalano. Septième équipe qualifiée, la formation du Gard de David Travier. Case numéro 4. Pas d'adversaire pour l'instant en huitième de finale. Huitième équipe qualifiée, la formation de l'heure d'Olivier Le Bihan. Case 15, pas couvert pour l'instant en huitième. Neuvième équipe qualifiée, la formation gardoise de Yanis Seboussi. Case numéro 7. Couvert donc en huitième de finale. Et ce sera face à la Creuse. Gare Creuse, deuxième huitième de finale couvert. Dixième équipe qualifiée, c'est la formation du Cantal de Jean-Luc Breuil. Case numéro 2, pas couvert pour l'instant en huitième. La secrétaire. Onzième équipe qualifiée, le Lot-et-Garonne, l'équipe de Jean-Marie Valverde. Case 16 pour le Lot-et-Garonne. Pour la 28. Couvert. Pour voir le département. Face à la formation de l'heure. Tu me l'as pas dit, assez vite. Ouais, c'est pas grave. Ce sera donc. Face à l'heure. Douzième équipe qualifiée, le Gard de Jackie Goudet. Case 6, ce sera pour jouer face au Nord de Geoffrey Quino. Donc le Gard face au Nord, c'est un nouveau huitième de finale ouvert. C'est bon ? Oui. Treizième équipe qualifiée, la formation de la Martinique d'Émile Cabi. Case numéro 1 pour jouer face à la formation du Cantal de Jean-Luc Breuil. Donc Martinique face au Cantal. 14e équipe qualifiée, la formation de la Ligue Rhône-Alpes de Malik Kerdjou. Case 11, ce sera pour jouer son 8e de finale face au Maine-et-Loire de Steve Durand, donc Rhône-Alpes, Maine-et-Loire, avant-dernière équipe qualifiée pour ses huitièmes de finale, c'est la formation des Alpes-Maritimes de Jean-Luc Casga. Case 3 pour jouer son huitième de finale face au Gard de David Travier. Alpes-Maritimes-Gard sera donc le 7e huitième de finale ouvert. Et puis nous allons accueillir la dernière équipe qualifiée pour ses huitièmes de finale, c'est la formation de la Dordogne de Patrick Manon. La Dordogne qui tire la case 13 et jouera face à la Ligue PACA son huitième de finale face à l'équipe de Denis Campos. Bonjour mesdames, messieurs, dames.
Attends, très bien. Merci. Bon, allez. Il y en a une partie, les meilleurs sont là. Européen. Nous donnerons le coup d'envoi de ces huitièmes de finale. Bien évidemment, on respecte le règlement de la fédération. Bien dormi ? Ça va, ouais. Nous allons donner on peut faire la photo de ces huitièmes de finale. Voilà, le coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Non, mais venez, monsieur. J'avais un ami à Séguré. Ils sont gardois, je suis de Nîmes, mais bon, ils sont pas plus forts que les autres, ils n'ont pas plus de droits que vous, que les autres. Voilà. Je crois que c'est, ce qui est important, c'est ça. Oui, c'est pour la fédération. Ce sera mis sur Internet après. Ça fait tout sauf le téléphone. Parce que c'est comme dans la vie, on dévie tout de ce qui est prévu au départ. Ça permet d'en vendre un peu plus. Ah, le cortisol, ça. Ce sont les joueurs de la Creuse qui ont inscrit les premiers points dans ce huitième de finale. La Creuse qui mène 2-0 face aux Gardois. Sur le terrain, 5 les premiers points pour la formation gardoise de Saint-Laurent. Gardoise qui mène 2-0 face au Nord.
huitième de finale à l'avantage de la formation des Alpes-Maritimes qui mène 3-0 face au gardois de la PAB. Ceci, M. Cattaretti m'a dit, mais vous savez, après, je pense qu'il n'y a pas de raison que je ne lui fasse pas confiance. Moi, je ne mens pas non plus, je déforme la vérité. C'est encore pire. On est là-bas. Voyou. C'est l'ordre de terrain 12 de la Ligue PACA qui mène 2-0 face à la Dordogne. Et puis sur le terrain 14, le premier point dans ce huitième de finale pour le Lot-et-Garonne, 1-0 face à l'équipe de l'Eure. Bien joué ça. Bravo. Ça va, mon petit. Super. Bravo. Bien, bravo. Allez les gamins, c'est pas grave. On met ça dans le panier. Sur le cadre 11, la formation des Alpes-Maritimes de Casgat, Fournier et Guénebeau qui s'est détaché dans ce huitième de finale pour totaliser 7 points face aux gardes de Travier, Cos et Bertrand. Alpes-Maritimes. Merci mon frère. Il est pas bon. Ah ouais. Ça va, la voix de 100 mètres. Ça va, et toi? Ouais, Damien. Ah, ça va, j'ai pas dit bonjour. On va tranquille. C'est toi qui vas à Montauban? Ça va. Je suis sûr que vous ne respiriez pas trop bien, hein. Manquez un peu d'air, hein. Ça va mieux, 0,7. Combien ils sont? 2, 4. Oh, mais ils sont pareils maintenant. Et puis sur le cadre 11, réduction du score. Ah si, ils sont beaux. Pour la formation. Thank you.
Ciel, Yannick Seboussi, Georges Clément et Jani Milesi ont atteint la mi-partie. 7 à 2 face à la creuse de Jean-Pierre Giraud, Ange, Vaucluse Hugo et Richard Delafont. Le gars, 7 à 2. Si. Sur le cadre 12 dans ce huitième de finale. De David Travier, Claude Cos et Damien Bertrand, formation gardoise à leurs adversaires, les Alpes-Maritimes de Jean-Luc Casga, Max Fournier et Stéphane Guénemont mènent désormais 7 à 5. Sur internet pour la fédération. Ouais, ah oui, le roche-pleur. Pas marqué là. Qui mène désormais 10 à 5.
matin, on lui a dit qu'on n'y allait pas. On lui a dit c'est pas. Musée, ça me marche. En longueur d'avance, là également, face à la Ligue Rhône-Alpes de Malik Kerdjou. Alors ça, ça va être bien vu. Tirage au sort et les quarts de finale. Oh, l'état-major. Sont là-bas. Sur le cadre numéro 9, ben 9 le bien nommé, puisque le Maine-et-Loire et la Ligue Rhône-Alpes sont à égalité, 9 partout. On inscrit 2 points pour mener désormais 12 à 6 face au Nord de Quidon, Averlan et la Susse. Le Gard, 12 à 6. Cette annonce, c'était encore une annonce des huitièmes de finale. Sur le cadre numéro 7, vous allez saluer la qualification pour les quarts de finale de la Martinique. Ils sont en quart de finale, Camille, Émile, Camille, Joël et Guianta et Pierre Citer. Et vous allez également saluer la formation 8e de finaliste, l'équipe du Cantal de Jean-Luc Breuil, Christophe Breuil et René Pellissier. Le Cantal 8e de finaliste. Premier quart de finale connu que nous démarrons dans une quinzaine de minutes. Martinique d'accord. Face à Drôme. La 17. Ouais, ouais. Si on veut retrouver, tout le rail, parce que c'est fini. Le Lot-et-Garonne qui s'impose 13-12 face à l'heure. Quart de finale face au Gard de David Travier. La Ligue Rhône-Alpes qui se qualifie pour les quarts de finale. Malik Kerdjou, Yann Seur et Ali Bostani. La Ligue Rhône-Alpes qui s'impose face au Maine-et-Loire de Steve Durand, David Toublanc et Freddy Lulubois. Quand on ne peut pas faire. Alors, les délégués du Lot-et-Garonne, du Gard, de Travier et de la Martinique au graphique, s'il vous plaît, pour récupérer vos fiches de jeu. Ah oh, oui, il met des 12 et 6 et il prend le 22-5 derrière. Ils ont deux coups pour mettre le 13e, ils ne le mettent pas. Et la sortie, pour 13e. Il va y avoir les 6 après. Alors, nous aimerions voir au cartonnier, s'il vous plaît, un responsable du comité de la NIR. Allez, on y voit dedans. Hein. Non, regarde, ça fait déjà 0. Hein. Pétanque, donc ce sera la Drôme face à la Martinique sur le terrain 4 qui seront opposés à la formation gardoise de David Travier, Claude Cosse et Damien Bertrand, la pétanque atomique bagnolaise. Le Lot-et-Garonne face au Gard sur le terrain 6. Et enfin, sur le terrain 8, ce sera la formation de la Dordogne, Patrick Manon, Laurent Rulin et Hervé Vincros, pétanque montonnaise, qui seront opposés à l'équipe de la Ligue Rhône-Alpes. La pétanque du polygone à Valence, Malik Kerdjou, le coup d'envoi de ses quarts de finale de promotion. Je vous rappelle donc les affiches de ces quarts de finale sur le cadre numéro 2. Le Nord, Jourdain Pignot, Alexandre Averlan, Alain Lassus, US Dunkerque, qui seront opposés au Gard, Yannis Sebousi, Réchette, Georges Clément et Jamy Milesi, la poule musicienne, Nord face au Gard. Oui, Michel.
Bravo, elle est là. Moi j'ai une triomphe si vous voulez. J'ai une qualité, c'est que je respecte l'humain qui est en face de moi. Thank you.
d'un point. Les gardois, c'est vous, Clément Milési, maître point. On n'est pas arrivé à le faire un peu sur deux.
comme ma soeur. Bah oui, normalement j'ai dû le donner, non? Ah, je me dis, ah oui, ah oui, ça c'est sûr. Ah oui, oui. Vous savez, des fois, je sais pas, ils ont bon appétit, des fois ils mangent des DVD, je sais pas. Pas vous dire, mais quand je dis que je donne, je les donne, il n'y a pas d'heure. Je sais que je vais pas bien dormir. Je vais me le donner, je vais pas bien dormir. Je vais le donner le les images, notamment de ce championnat de France, sur le site Sur le cadre numéro 8, l'accélération pour la formation de Malik Erdiou, Yann Serre et Ali Bestani, la Ligue Rhône-Alpes qui va inscrire 5 points pour se détacher dans ce quart de finale et mener 9-3 face à la Dordogne de Patrick Manon, Laurent Rulin et Hervé Decrosse. Supplémentaire au compteur de la formation gardoise de David Ravier, Claude Coss et Damien Bertrand. Le gars qui mène 6-1 face au Lot-et-Garonne de Jean-Marie Valverde, Sébastien Sorella. C'est le pronostic. Combien 13 à combien de côté comme de l'autre. 13 à 5. Je suis l'arbitre. Ça va faire le bouchon.
plus une pièce de 5 francs, l'envers ou l'endroit. Ah oui, oui, d'accord. Hein? Pour beaucoup de choses. Oh, les vieilles, maintenant, oh, ça, bah, ça va pas loin. Les paroles, ça va. Le retour, il prend ses pieds. Bravo Yann, bien. Yeah. Super. C'est vrai qu'ils vont vous voyager quand même. Un bon parcours. Ouais, bien sûr. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à ce niveau. C'est hein. Ça. Et puis... Mais c'est toujours bête de s'arrêter là quand même. Ouais. Hein? Ah ouais. Ben, fait, bon, faut faire. Hein. C'est pas mal. Après, ils sont trop forts. Qui atteignent la mi-partie 7 à 6 face au bord. Et puis sur le cadre numéro 8, la troisième boule de match aura été la bonne pour la formation de la Ligue en Rhône-Alpes avec cette dernière frappe d'Ali Messani. Voici la qualification pour les demi-finales. Vous allez les saluer, la Ligue Rhône-Alpes, Malik Erdiou, Yann Sœur et Ali Messani. Ils sont en demi. Et puis saluer également le joli parcours de la formation de Dordogne, Patrick Manon, Laurent Rulin et Hervé Decrosse. La Dordogne, quart de finaliste, à 14h30 pour le coup d'envoi des demi-finales. Cette peine de 2 points, Geoffrey Kilo, Alexandra Verlan et Alain Lassus, les nordistes, vont prendre la tête de ce quart de finale. 8-7 face à Yanis Seboussi, Georges Clément et Jamy Bilesi, les Gardois. Le Nord, 8-7. Allez, ne rentre pas ton de trop. Mais 9-5 face au Lot-et-Garonne de Jean-Marie Valverde, Sébastien Somavilla et Ludovic Domecq. Le Gard 9-5. Thank you.
quoi. Terminé sur le cadre numéro 2, vous allez saluer la qualification pour les demi-finales de la formation gardoise, Yanis Seboussi, Georges Clément et Jani Milesi. Et puis à raccompagner également sous vos applaudissements la formation nordiste, quart de finaliste, Geoffrey Quinon, Alexandre Averlin et Alain Lassus, le nord, quart de finaliste. Le gard donc que nous retrouverons cet après-midi en compagnie de la Ligue Rhône-Alpes à 14h30 pour les demi-finales. Deux marches, hein ? Deux marches pour le maillot. Eh bien, allez. Déjà, c'est bien. Il y a tapé le chien à faire, c'est bien. Je suis bien content, bien content, bien content. C'est bien. Encore deux marches. C'est bien, bravo. C'est pas bien. Vous méritez votre place, c'est ouais, bien sûr. Peu, hein. Et si c'est pas indiscret, vous aviez pas. Je pense qu'il avait manqué double la main d'avant. Vous pensez qu'il était en état de retaper fait mentalement quand la dernière main. Le tireur d'en face. Ouais, ouais. Ah bah oui, c'est ouais. Nous qui donnons le bâton pour ça. Ouais, pour vous leur avez donné un petit peu de. Ouais. C'est nous qui jouons mal. Mais vous sinon, avez quand même. Sinon, fait... si je touche l'épaule derrière main, oui. Ouais. Là, il manquait. Il n'a pas attiré, je pense. Après, bah, voilà, c'est tant mieux pour eux. Mais bon, vous avez fait quand même, vous n'êtes pas venu dans le sud pour rigoler. Hein. Non, perdre ouais. À ce niveau, c'est pas tout le monde. Hein. C'est sûr. Ouais. Félicitations. Merci. Pour cette partie, vous allez saluer la qualification pour la demi-finale du gard de l'Italie, Claude Gosse et Damien Bertrand. Ils sont en demi. Et puis saluer également le parcours de cette formation du Lot-et-Garonne, Jean-Marie Valverde, Sébastien Sobavilla et Ludovic Tomé, quart de finaliste. Ça a été non pas si facile que pas ça. Si hein. Facile que ça oui. Ah non non. À ce non, niveau, non. Je crois qu'il faut pas mésestimer. Il faut pas mésestimer oui, l'adversaire, bien c'est sûr. Sûr. Bien sûr. Mais ouais. Oh, non. Non, effectivement, une bonne équipe, sympathique et tout. Bon, ils ont bien joué le jeu. On a joué un peu au-dessus d'eux. Voilà. Moi, ma conclusion, c'est ça. On a été légèrement au-dessus. Thank you.
Il a pris les bottes là. Sans oublier leur coach Jean-Luc.